Coucou tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre rubrique chouchou. Et aujourd'hui, mon chouchou, ce n'est pas un équipement, mais c'est un produit. Et c'est un produit qui vient d'une boutique que j'aime beaucoup, vous le savez, puisqu'il y a une playlist qui est dédiée à cette boutique. Il s'agit d'un produit de la boutique de chez Scrap Didi. Donc pour rappel, Scrap Didi est une entreprise française qui fabrique ses propres. Au maximum, donc, ses propres produits et surtout qui réalise tous ses designs. Donc, le produit d'aujourd'hui que je vais vous parler, c'est un de mes chouchous. Pourquoi? Parce que je l'utilise énormément dans beaucoup de créations, que ce soit des albums, des cadres, des cartes. Il s'agit donc des mots en carton-bois adhésif. Donc, je vous en montre que deux. Parce que pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de refaire un stock. J'en ai énormément utilisé dernièrement dans des albums photo pop-up. Voilà. Et ce que j'apprécie particulièrement donc dans ces mots carton-bois adhésifs, premièrement, c'est que c'est une jolie écriture, qu'ils sont très fins, qu'ils sont très bien passe-partout et tout. Et surtout, le fait derrière qu'ils soient en fait adhésifs. Et qu'on n'ait pas besoin donc de les coller. Vous voyez là, il suffit de retirer la petite pellicule et de le coller. Et ils tiennent vraiment bien. Je ne remets jamais, jamais, jamais de colle, comme ça peut arriver souvent avec certaines choses adhésives. Là, c'est pas le cas. Donc ça aussi, c'est un très bon point, le fait qu'on ne soit pas obligé de mettre de la colle derrière. Parce qu'avec des choses très fines comme ça, même quand on a des embouts assez fins, ça a tendance un peu à baver et tout. Et à faire que ça se verra sur nos papiers et donc à pas faire joli du tout. Donc là, pour le moment, les seuls mots qui me restent, c'est moment complice. Donc vous voyez là, par exemple, pour des albums photos ou une photo avec, par exemple, votre amoureux, votre soeur, votre mère, les enfants ensemble. Ou donc instant de joie. Donc instant de joie peut être utilisé dans beaucoup d'occasions, même aussi des cartes. Des cartes pour célébrer quelque chose. Donc voilà. Donc pour l'instant, il ne me reste que ces mots-là, mais il en existe plusieurs. Donc je vous mets en bas, donc dans la barre d'infos, le lien pour aller les voir. En plus, financièrement, ils sont très abordables. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà mon chouchou pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!